Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là on est sur Electrician Simulator, donc Electrician Simulator. Et donc on va continuer des petits chantiers. Là j'ai un chantier où un gars est parti en vacances, en voyage d'affaires. Il est revenu, il n'y a plus de lumière. Donc, rémunéré 250 avec 240 XP. Donc ça c'est tout ce qui est suggéré. Donc le tournevis. Hein, on va reprendre ça, ça et ça, c'est bon. On ajoute panier et on achète oui. Donc on va revenir en arrière. Hop. Et donc là vous voyez, c'est exagéré. Je pars en voyage d'affaires et je reviens avec. Et aucune lampe ne fonctionne. Non seulement j'ai dû me débarrasser d'étranges chauves-souris de la maison à mon retour, mais en plus maintenant, ça, je n'ai qu'une seule demande. Pardon. Toutes ces lumières doivent fonctionner à nouveau. Et vous saviez quoi? Des lampes supplémentaires dans la chambre à coucher seront utiles. Donc je n'ai pas peur, je déteste l'obscurité. Tout simplement. Donc c'est bon, on l'a accepté. Allez, on va chez lui. J'ai acheté le matériel, on y va et on va voir qu'est-ce qu'il y a. Les chargements sont assez rapides. Ah, il y a exactement la même maison que j'ai peint les... Ok, on le trouve. Alors, si vous avez regardé la vidéo d'avant, vous allez comprendre. Moi, je viens de comprendre. Des chauves-souris, donc c'est des gens qui sont squattés chez bien, mon ami. Donc, le contrat d'avant m'a demandé d'enlever toutes les lumières de la maison. Donc, c'est-à-dire d'enlever toutes les ampoules du couloir, 9 exactement, et de désactiver toutes les ampoules, tous les interrupteurs. Et le problème, c'est que le gars, quand il arrive, eh ben, il y a la même maison. Donc, ben, c'est moi qui a quelqu'un qui m'a payé pour que je trafique sa maison. Et aujourd'hui, il va me repayer pour que je la remets en norme. Alors, on va regarder. Regardez, c'est la preuve que je sais. Là, il est là. Oui, bien sûr, voilà. La voiture, elle est là, mais tout a été payé. Tu penses que même il y avait ici, j'avais galéré. Ici, ben, j'ai traficoté. Et vous allez voir qu'il y a des fils, par exemple, il y en a un seul d'enlever. Donc, c'est moi qui l'a fait. C'est pas mal. Les ampoules, pareil, j'ai pas besoin de les racheter puisque c'est moi qui les ai. Vous voyez que là, les fils sont pas branchés au bon endroit. Donc, où ils ont été inversés. On va faire hop, hop, hein. On va le prendre. Hein. Là. C'est parti. Là, on est bon. Alors, comme je sais à peu près ce qu'on va faire, ça. Là, on est bien. Alors, comme je vous dis, regardez. Quand je vais aller sur le plafond, faire ouvrir, plus d'ampoule. L'ampoule, je l'ai, elle est là. Les 10. Je n'ai pas acheté 10. C'est juste qu'on m'a demandé de les démonter, donc je l'ai. Ah, moi, on me paye, je le fais. Hein. Alors, j'avais démonté ça, ça. J'avais démonté ça. Je suis en train de... Et une ici. Et après, devoir aller au haut. Ça, je sais. Celle-là, je l'ai fait. Voilà, donc vous voyez que les 9, réparer les interrupteurs, donc je dois réparer l'interrupteur qui est ici, je prends mon tournevis, hop. Et vous voyez, alors moi j'avais pas fait ça comme ça, moi j'avais pas inversé, j'avais débranché le fil d'eau. C'est à peu près le même principe. Il y avait même un interrupteur, celui du bas, j'ai galéré à le trouver.
C'est même moi qui avais débranché la télé. C'est la clé. Tranquille, électrice. Voilà. Ah, j'essaie de trouver un tournevis. Ah, là c'est bon, ça a été fait. Celle-là je l'ai fait. Ah si, j'avais trop. Au moment où je suis rentré dans la maison, j'ai merde, c'est un peu... Surtout la télé avec le cap qui... Ok. Alors, installer des nouvelles lampes. Donc, je dois installer deux nouvelles lampes ici. Donc, on va faire I pour aller sur inventaire. On va mettre les lampes ici. Donc, on va appuyer sur 2. Là, on va la placer. Hop. Et une ici. Là aussi. Voilà. Connecter les lampes. Là, je dois prendre du câble électrique. Connecter. Alors, pour connecter, bah, pareil, on va faire hop. Je dois les connecter au réseau. Alors, ok, et là pareil, on va... Non, on va aller sur le cool. Hein? Ah, pourquoi il me dit de le connecter au réseau? Je les ai. Alors je vais peut-être à l'allumer. Ah pardon. On a bien les deux là qui s'allument et les deux là qui s'allument. Donc c'est bon, on peut retourner au bureau, on a récupéré. C'est bon. Ok, content. EDP combien? 240, 250, 240 XP. On a passé un niveau supérieur. Alors, électricien de chantier. Donc, on va devoir installer les boîtes manquantes, les prises et les interrupteurs. Peut-être que j'ai des achats à faire. Ah, voilà. Ah, moi j'ai. Je fais partie sur le chantier. Après, c'est pas grave. Si vous vous trompez, que vous oubliez, vous pouvez toujours revenir les acheter. Ou s'il y a un ordinateur sur place, vous pouvez les acheter.
Après, quand on est sur un chantier comme ça, c'est pas possible. Alors là, c'est un... Regardez, donc là... L'argent. Là. Et... Aussi. Là, ouais, ça. Ça va être un peu plus cher. Ah, installer les prises manquantes. Les prises et les doubles prises. Donc, on va faire qui inventaire en... Là, ici, on sait que c'est double. Je vais... Peut-être pas qui... Ah, je sais que si j'ai double, ça. Là, je suis en double. Ici. Oh, ici. Ici, ça doit. Là. Un peu. Non. Double, non. Deux. Il m'en manque combien? Donc une scène. Voilà. Alors maintenant, on va installer les prises simples et les prises doubles. Pareil, on a la prise. Alors, beaucoup de prises simples. Ah, je peux peut-être pas les mettre parce que j'ai pas le tournevis. Disjoncteur, donc c'est bon, installer le boîtier, mais ouais, quand même, ça ne va plus. Hein. Ah, il faut pas rester appuyé, ok. Deux. Voilà. On est parti pour installer les fusibles. Alors, mettre les fusibles. C'est un fer. Alimenter les boîtes électriques. Augmentation des boîtes électriques. Boîtes.
Ok, on va câbler. Alors, comment je vais faire? Ah. À savoir que j'ai 4 arrivées. 4 arrivées, mais j'ai combien de vies? Ah non, comme là. Arrivée. Parce que là, j'en ai un là-bas. On va dire que si je tiens un câble, je peux. Que là. Ah, peut-être qu'on va peut-être. Voilà, oh, apparemment, piste. On va prendre ça. On peut passer. On est sur le premier. Là, je dois... Hop. Là, c'est bon. Puis, il pourrait revenir ici. Donc déjà, j'aurai deux amis. Parfois c'est pas ce que... Alors là on va avoir une âme de l'homme. Alors, pas d'électricien du tout. Ah.
on est bien. Ah, la prise. Pourquoi j'arrive pas un peu. On a le tableau des. On va déjà faire un test pour pas si jamais vous voulez. Donc j'en ai activé 7. Celui-là on est bon. Pas dû faire comme ça, j'aurais. Pas mieux. Moi, je voudrais ramener. Ok. Après, comment il faut partir du bazar hein. Donc là on est bon. Alors là on est bon. Par contre cette partie là, ben, va falloir que peut-être j'y arrive. Je retire un câble là, câble en face. Voilà, un câble. Thank you.
on va dire qu'on est bon. J'ai réussi à passer l'électricité dans toute la maison. Donc c'est bon. Alors en vérité, il me donne 4 disjoncteurs, mais je peux. Oh, l'électricité est faite. Ok. Allez, c'est bon. C'est bon. Là, le boulot est fait. On est tranquille. C'est bon. Hop. Électricien. Alors, on va faire celui-là qui nous manque quelques petites. Yep. Et sûrement avant de brancher quelques. Alors ici, on revient. Ah ouais, bon, il y a des luminaires à poser. C'est une télé quand même. On va aller dans l'un. Et... Ah ouais, la télé, elle est là. Passer le truc là, j'ai des luminaires aussi. Et... Ah, ils sont voilà. Alors c'est alors brancher les deux lampes, connecter et allumer les deux lampes. Installer les lampes dans la salle de bain. Installer le télé. Alors maintenant, on va faire les lampes ici. On va devoir les couper ici donc. Alors, cœur électrique. Donc, qui aura un. Là c'est bon. Là. Ok, donc là c'est bon. La télé est installée. On va juste rallumer l'électricité pour voir. C'est bon, la télé, on peut la mettre. Ah ouais, mais je sais pas.
qu'il me donne des enfants. Qu'est-ce que... Regardez, hein, je suis à voir dans mon inventaire des enfants. Installer les lampes dans la salle de bain. Dans la salle de bain. On va installer deux lampes ici. Et ça, ça annule des trucs, c'est normal. Donc, là, est-ce que... Ah ça va, on peut sélectionner l'inventaire direct. C'est bon là. Portez-en. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on a les deux luminaires activés. Ça va, le câblage n'est pas trop dégueulasse. Hop, hop, hop. Et si, ben pareil, à part celui-là que j'ai peut-être pu faire un peu. Donc madame, là, je vais allumer. Elle est accomplie. Alors 100%, on est bon. Ok, c'est nickel chrome, donc on va pouvoir regarder ici. On est passé au niveau 11. Alors ici, la prochaine fois, on va faire une vidéo maison sans lampe. Alors là, il y a une maison, il n'y a aucune lampe qui va permettre à... Le travail est triste. Ah, le plus gros problème. Oh, ok, là. Là, c'est une maison vraiment sans lampe. Ah, par contre, 800 dollars. Et si, amoureux végétal. Alors, celle-là, pareil, amoureux végétation. Celle-là, on l'a fait en démo. Il va falloir alimenter les lampes rouges, là. En pontage. Et il y avait un truc où il fallait trouver une clé. Il fallait trouver une clé, je crois, pour ouvrir le disjoncteur. C'est tout un système, c'était pas mal. Là, on fera ça dans la prochaine vidéo. Donc ça, c'est tout ce qu'on a fait, vous voyez. Toutes les missions qu'on a fait. Et là, on verra pour... là, on en a encore deux à faire pour la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager le pouce bleu. Et allez, ciao, ciao. Pardon, c'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là, donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche, mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.